pour être dans la maison de Dieu. Et ce matin, si nous rendons compte, ce matin, Dieu tient nous depuis dans la case, il prépare nous, il amène nous pour faire quelque chose. Il amène nous pour faire ce qui diable n'a pas content. Amen. Alléluia. Ce qui diable n'a pas content, ça amène nous pour faire. Pour adorer, pour louer, pour glorifier mon Dieu. Amen. Et ce matin, le nom de Dieu finit glorifié. Et moi, je suis capable de dire, avec toutes les stratégies, toutes les ruses, peut-être c'est que le diable est venu pour attaquer, peut-être avec ce homme, il reste dans son armée, mais au nom de Christ, il vient local. Et la victoire, c'est pour le peuple de Dieu. Pas d'autre? La victoire pour nous ce matin. Oh, parce que la parole de Dieu nous dit, oh, qu'il est doux pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Et ce matin, il y a de la joie. Et quand vous pouvez dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16, de verset 25, et nous trouvons qu'il y a deux personnes qui sont dans la prison, Paul et Silas. Paul et Silas, dans le problème de difficulté, enchaînés, dans la louange, dans l'adoration, la sainte, il est éclaté. Amen. On ne peut pas dire cassé, on dit éclaté. Parce qu'il a une belle puissance dans louange et l'adoration. Et ce matin, c'est ça même. Dieu vient amener nous pour faire sa louange d'adoration là, monter vers Dieu avec la foi, avec assurance. Ce matin, vous êtes capable de dire et vous témoignez très fort. La louange, l'adoration de cette église, il montait ce matin comme un parfum de bonne odeur envers sa grande bonté là. À lui soit l'honneur, à lui soit la gloire. Merci notre Dieu. Et ce matin, nous ouvrons la Bible ce matin. L'évangile de Luc. L'évangile de Luc, le chapitre 19, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Merci Jésus. L'évangile de Luc, chapitre 19, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10, on commence la lecture. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « J'assais à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » J'assis à table de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmuraient et disaient, il est allé loger sur un homme pécheur, le qui nous vous parlait ce matin. À cette vue, tous murmuraient et disaient, il est allé loger sur un homme pécheur. Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais don de quelque chose à quelqu'un, je lui rendre la quadruple. Jésus lui dit, aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Le verset 10, donc il vous parlait. Quand le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Ce matin, nous coupons la tête, nous bénissons Dieu pour sa parole. Grande et majesté tout puissant, le Dieu royal, le Dieu suprême. Ce matin, vous bénissez pour cette parole qui devient la porte pour évangéliser, Seigneur. C'est une parole qui peut être évangélisée, Seigneur,
pour montrer l'amour, la grandeur de Dieu et les pardons de Dieu. Seigneur, mon béni-toi, que tu canalises sa parole-là à travers cette canal, Seigneur notre Dieu, et vraiment pour la puissance du Saint-Esprit, cette canal, là, mon Dieu, lui poussant et sa dénoue de la vie-là, pour le déposer dans chaque lesquels, chaque l'âme qui a soifé de ta parole. Ce matin, mon point d'autorité, mon commande à toute bonne puissance, à tout bon esprit qui vit vraiment contre l'attaque dans le monde spirituel. Moi, attaque, moi, vraiment, attache ça dans l'esprit-là. Et vos chasse-lui, vos êtres dans l'abîme, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ta parole y est prêchée dans toute la liberté, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, notre Dieu. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. À cette vue. À cette vue, tous murmuraient et disaient, il est allé loger, c'est un homme pécheur. Mais Jacques de Voûte devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, les diables me rendent trois fois, quatre fois plus. Donc, ce matin, nous vous parlons un petit peu loin de thème. Il y a Béran, il est beaucoup rare, ce thème qui nous vous parle ce matin. Le thème de ce message, ami de péché, Jésus-Christ. Ami de péché. Qui s'est ami des péchés, Jésus-Christ, ami de pécheurs. Donc ce matin, nous venons étudier un petit peu la parole. Ce matin, nous venons un petit peu l'histoire d'un homme qui appelle Jacé. Jacé, c'était un homme, un collecteur d'impôts. Il ramasse taxes. Mais ce travail qu'il peut faire, et là, une petite chose qu'il peut faire encore, c'est qu'on appelle, tu peux faire malhonnête avec tous les habitants de ce village. Tellement tu veux faire malhonnête, dis-moi, tu détestes lui, dis-moi, tu haïs lui, dis-moi, pas tu as envie vraiment rencontrer lui, joindre lui, assis en lui, manger en lui, personne pas intéressé en lui. Donc, quand nous lisons la parole de Dieu, tout le monde déteste lui, tout le monde pour vivre fréquente lui, tout le monde partenaire a un désir pour assiser, pour manger au lit, mais tu es une personne. Tu es une personne qui t'appelle lui ami de péché. Tout le monde déteste, tout le monde arrive à lui, tout le monde pas content lui. Mais il y a quelqu'un qui s'y compte en lui. Son nom est Jésus. Et quand nous voyons l'histoire de cet homme, nous prend une très grande référence, un très grand exemple. Ce message ce matin, il vous prêchait à tout le monde qui peut entendre cette parole, ce message-là, il pour lui, et aussi pour tout nouveau nouvelle, peut-être qu'il a la première fois ce message, il pour lui. Toute personne qui vraiment lui trouve lui dans une situation difficile, quelquefois lui-même peut-être dans son guerre, lui dit, moi pas un goût de vivre, moi pas un somme de vivre, à quoi sert-il, moi peux vivre dans la terre. Et ce message, il croit toutes les personnes qui peut-être un moment lui trouve lui, comme Jacé, pas très cher, mais comme Jacé, que tout le monde peut-être déteste lui, personne n'est pas intéressé en lui, personne n'est pas intéressé à un dialogue en lui, peut-être personne n'est pas intéressé à un petit bonjour avec lui, peut-être personne n'est pas intéressé avec nous. Donc, ce matin, il y a quelque chose que Dieu voulait faire nous comprendre ce matin. Jamais, écoute bien ce matin, jamais fut trop tard dans la vie d'une personne quand il tombe dans un erreur, il tombe dans une faiblesse. Jamais vu trop tard. Tous nos camarades disent jamais trop tard.
jamais trop tôt dans la vie. Et jamais ou senti ou condamné. Jamais ton pas senti toi condamné. Tant que le jugement de Dieu pas qu'on fait là-haut. Tant que Dieu pas qu'on juge toi. Jamais n'a pas senti toi condamné. Parce qu'il qui fait jamais fait trop tort pour toi dans ton âge. Jamais fait trop tort. Tant qu'il est le jugement de Dieu, tant qu'il bon Dieu pas qu'on fait un jugement, tant qu'il bon Dieu pas qu'on rend un verdict au toi, jamais pas senti toi coupable, pas senti toi condamné. Parce qu'il qui fait de la faiblesse, il a. La faiblesse, il a. Le péché, il a. Les erreurs de la vie, il a. Les désespoirs de la vie, il a. Et toutes les mauvaises choses qui nous capables, qui est du monde capable de porter dans la vie aussi, il a. Une question qui posait malgré tout ça qui sont là. Est-ce que la vie est du monde y a réclamé? Est-ce que la vie a réclamé? Non. Donc, c'est pour cela qu'il nous dit non. Tant que Jésus-Christ encore, la porte de la grâce est encore ouverte, jamais fin trop tard pour un enfant bon Dieu, jamais fin trop tard pour un pécheur, jamais fin trop tard pour un malheureux, l'eau sur la terre. Amen. Tant que la porte de la grâce est encore. Et quand nous guettons ce passage, quand nous parle de Jassé, c'est un homme qui tout du monde le détestait. C'est pour du monde, c'est une personne infréquentable. Infréquentable, détestée, haïr, pas envie vraiment. Et il a un dialogue. Mais laisse-moi dire quelque chose ce matin à toute personne qu'il a. Et à tous ceux qui peuvent écouter et pour écouter ce message. Tant que Jésus-Christ encore vivant, tant que c'est l'évangile de la vérité encore prêché, tant que c'est l'évangile du royaume de Dieu peut prêcher, tant que l'évangile d'amour peut encore prêcher, tant que l'évangile de pardon encore peut prêcher, encore et dans l'espoir pour chaque péché. Encore et dans l'espoir pour chaque enfant, mon Dieu. Jassé, c'était un homme qui fut déjà condamné par les hommes. Un homme qui fut détesté par les hommes. Un homme qui est infréquentable par les hommes. Que tu m'en détestes, que tu m'en haïs, que tu m'en pas condamné. Jésus-Christ fit côté comme un ami auprès de Jassé. Et de même pour toi ce matin. Amen. Et à tous ceux qui peuvent écouter cette parole, qui peuvent écouter cette parole, tant que Jésus-Christ compte en toi, tu es capable de dire oui, moi dans l'espoir. Amen. Les hommes capables de détester toi, les hommes capables haïr toi, les hommes capables de pas comprendre toi. Donc, tout cela est capable d'arriver. Mais qui se rend toi heureux ce matin? Tu peux peut-être tomber dans 100 amis, tu peux dans 50 amis, peut-être tomber dans 10 amis. Mais tu es un seul ami qui s'insère, lui donne son ami, l'on a quoi pour toi? Son nom est Jésus-Christ. Amen. Donc, tu es un ami comme ça, sentis-toi aimé. Tant que tu es un ami comme ça, sentis-toi encore dans l'espoir de vivre. Amen. Donc, nous trouvons comment les hommes, ils là juste pour condamner. Tant que les hommes, quand ils viennent rentrer dans la maison de Jassé, la Bible dit que Jésus qui a vu qu'elle Jassé, il dit Jassé, aujourd'hui même le salut est entré dans ta maison. Des notes de chaud, il dit, Jassé, le salut est entré en toi. Dis-moi, fais trop assez voler. Dis-moi, trouve assez triqueur. Dis-moi, fais trop assez infréquentable. Mais Jésus fait venir comme un ami. Il dit, Jassé, aujourd'hui même, le salut
et d'entrer dans ta maison. Et Jésus, maintenant, quand Jacques vient descendre, il dit à Jacques, hâte-toi de descendre. Donc, Jacques vient descendre. Quand Jacques vient descendre, Jésus vient rentrer dans la maison de Jacques. Quand Jésus vient rentrer dans la maison de Jacques, donc, verset 17, comme nous dit, voyons cela tous, murmurer, disait, il est allé loger, c'est un homme pécheur. L'inal dans la case pécheur, l'inal passe l'étang dans la case pécheur, l'inal mange dans la vie dans la case pécheur. L'homme est arrivé, comprend, l'homme, dès qu'il y fait un erreur, tout le monde djibouté pour ciser, pour condamner. Mais Dieu lui dit dans le verset 10, Jésus-Christ pas venu pour condamner, mais il vient pour se sauver. Amen. Il vient pour sauver les pécheurs. Il vient pour pardonner les pécheurs. Donc, quand nous dit, par personne-là, je dis, quest tout ça la case il quitte, quest dans qui la case il vient. Il vient dans la case un pécheur, il vient manger. Mes frères et sœurs, ce matin, Jésus-Christ, il vient pour tout mal pécheur. Amen. Attendez ce matin. Amen. Tout le monde vient pécheur dans la terre. Sans exception, la Bible dit que tous ont été péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde fait péché. Mais parfois, l'homme, il y en a un erreur, un défaut dans lui. Il connaît l'ici, l'erreur. Il connaît l'ici, il y en a faiblesse. Il connaît l'ici, il fait bêtise. Mais seulement tous les temps, il dit vous divant. Quand il nous aide son camarade, il tombe dans l'erreur de faiblesse, il dit pour divan, pour ciser, pour condamner, pour pointer les doigts. Il veut pointer les doigts, il peut ciser, condamner, l'ici, il pécheur. L'ici, il fait l'erreur. C'est parfois nous dire, un petit dialogue, nous dire, nous pas trouver la poussière dans nos lisiers, mais nous trouvons la poussière dans les yeux, nos camarades. Je dis, t'es qui peut-être ton lisier, n'est trop rouge. Donc, c'est pour cela qu'il nous dit, quand on a vraiment besoin de commencer, qui veut commencer à faire, on commence à ciser, condamner, reprocher. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour ciser. Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner. Mais Jésus-Christ est venu pour se sauver. Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il nous dit, aujourd'hui nous pouvons vivre dans le monde. Beaucoup de choses et non dans le monde. Et dans les erreurs, il a le péché, il a la faiblesse, il a toutes choses, il a dans ce monde-là. Donc, nous, la vie, c'est dans la vie, nous lutter pour vivre sans la vie de la sainteté, de la sanctification, là, dans la vie qui nous a lutter, ça veut dire lutter. Et quand nous disons nous lutter, veut dire qu'il nous exposer. La villa n'est pas exposée pour un petit monde, pour un groupe du monde. La villa est exposée dans le monde, pour tout le monde est exposé dans le monde. Mais tout le monde peut faire son part. Tout le monde peut faire son part, tout le monde peut faire ses efforts pour faire le maximum pour qu'il n'y ait pas tombe dans l'erreur de la vie. La faiblesse, il a. Cet homme, j'assais. Nous disons dans son époque aussi, nous disons dans son époque aussi, tout ce même faiblesse-là qui existait depuis le commencement de la création même d'exister, depuis qu'Adam et Ève viennent pécher, de jour en jour, lui vient aller, la terre vient remplir en péché jusqu'à qu'il vienne dans les temps de Noé. Et nous trouvons si le monde vient périr. Si toute la terre fait périr, qui fait la terre fait périr, qui fait tout le monde fait mort, qui fait tout le monde fait périr, qui fait tout le monde il a payé le prix de sa péché là, parce que la terre est remplie avec péché. La terre est remplie en péché. Mais seulement personne ne peut faire un effort pour se d'empêcher. Personne ne peut faire pas pour se d'empêcher. Personne n'a pas vu prendre considération comme une annonce qui prenne un déluge qui vous frappe à la terre parce que tellement le péché fait croître
Personne ne prend en considération. Et il y a quelque chose qui nous les fait ressortir ce matin. Très important. Nous tous pouvons lutter pour sortir de la faiblesse. Nous tous pouvons lutter pour sortir de l'erreur. Laisse-moi dire un secret ce matin. Chaque désir, chaque quelqu'un qui finit arriver tombe dans la faiblesse, il tombe dans le péché, il tombe dans le vice, il tombe dans quelque chose qui il ronge sur la vie, il enchaîne, il gagne prisonnier. Ça qui est là quand il répandit, bien répandu. Ça qui est là quand il répandit, il a dit quelque chose. Les bons entendaient ce matin. Et il a dit quelque chose. Un péché répandit sur la terre, dans le ciel, et un grand lac. Et un grand la joie, ça est. Maintenant, un secret mon monde western. Quand un péché lui répandit dans la terre, lui reconnaît son tort, son erreur, son culpabilité, lui reconnaît son faiblesse quand il vit tomber. Ça péché là quand il répandit, Satan le diable, lui gagne défaite. Qui lui gagne? Défaite. Lui gagne grande défaite. Lui gagne. Amen. Non, bon Dieu, les gloire, et pour lui, son nom, il y a un défait qui blasphème son nom. Veut-il dire tout ce qu'il fait, ça qui est là, à la fin, il n'y a pas de récit, il y a une victoire, l'eau, qui est là. Donc, ça, quelqu'un-là, quand il vient là vers la repentance, non, bon Dieu, glorifié, se baisser, pardonner, lui vraiment, lui être libéré de son lacet. Mais le diable, il a été fait. Maintenant, écoutez. Parfois, quand un chrétien lui commet une erreur dans son vie, donne bien. Un chrétien ou un pécheur. Quand il commet, il tombe dans une faiblesse, il tombe dans une erreur, il vient crier au secours, il a envie de sortir, il l'a senti, il fait des efforts pour lui sortir. Lui connaît lui dans l'erreur, lui paye grand prix pour lui réussir sortir là-dedans, lui gagne sa délivrance, le diable il gagne défaite, non bon Dieu fut glorifié, mais écoutez un secret maintenant. Cette personne-là, quand il répandit, demain maintenant, mon Dieu dit comme ça, un chrétien maintenant, sa personne qui répandit, sort dans sa faiblesse là, un chrétien maintenant le mettre l'état troublé, dit hey, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, tu commets telle erreur, toi, tu as telle bêtise, tu as telle vice, tu as telle faiblesse. Fais à mesure que tu reconfesses sa péché dans la vie, sa qui t'aime là, ou peut s'en rendre compte, ou peut réglorifier Satan le diable. Satan le diable, il a défait pour sa péché là. Satan le diable, il a défait pour sa vice là. Satan le diable, il a défait pour sa erreur là. Jésus-Christ, il donne son défait. Maintenant qu'un chrétien ou un membre de la maison, un diminution d'un péché, d'un faiblesse, d'un erreur, tout coup ou revenu, médite sa péché là, ou revenu, amène sa péché là, ou révèle sa péché là dans la vie. En l'autre mot, vous voulez qu'il peut faire, peut-être Satan, le diable, revenu, et si pour toi ça, en l'autre mot, vous pourrez glorifier Satan. Bien dangereux ça, j'ai dit bien dangereux. Beaucoup de chrétiens par connaissant. Quand un péché lui répandit et il a une grande joie dans le ciel, le diable lui gagne défaite, Jésus-Christ son nom lui glorifié. Parce qu'il s'empêchait là pour dire, moi j'ai un péché, moi j'ai une drogueur, moi j'ai un adultère, moi j'ai une pécheresse, moi j'ai un voleur. La parole de Dieu, Jésus-Christ, il sauve-moi, il pardonne-moi tous mes péchés. Quand il connaît son péché, il pardonne. Pour qu'il veut glorifier le nom de Jésus. En le nom de Satan, les diables. Toi qui ronges mon la vie, toi qui fais ma vie d'esclave, tu gagnes défait de sauce. Au lieu de nous faire lire à chaque fois, rappelle son défait de l'eau, nous glorifions.
qui est dans Jésus, je ne dis pas qu'on est qu'à des plus bien qui vous venez. Qui n'ont pas glorifié Jésus? Au lieu de glorifier nos Jésus, nous redonnons Satan et le diable la gloire. Jimonan paye le prix de sortie, il y a le pardon des offensés. Plutôt que moi, j'ai un problème, et dis toi, nous prenons les coups comme ça, je ne sais pas, tu peux rire. Toi, mon compte là, tu peux te courir à toi. Tu veux me dire, toi, tu, l'ITI, elle, pas courir les coups, hein, donc, c'est un mort. L'autre qualité. L'ITI, toi, mon compte, toi, tu sais, une volée, toi. L'ITI, l'eau s'est volée à la même, le diable a été défait, l'eau s'est volée à la, ça nous volait là. Non, Jésus dit glorifier l'eau dans la vie, cet homme. Tu comprends ce matin là? Tu comprends ce matin? Ce qui va comprendre, tu vous déposes des choses. Il faut que vous compreniez ce matin. L'eau, la vie, ça fait c'est là. L'eau, la vie, ça dit mon qui fait elle est là. L'eau, ça la vie là, non, Jésus dit glorifier l'eau là. Pas d'amour? Et le diable finit gagne fait l'eau. Maintenant, quand nous révélons la vie de Timoula, nous relève ce passé, nous réglorifions Satan. Là, tellement nous confessons, nous médisons ça, nous redisons, toi tu comme ça, toi tu comme ça, toi tu comme ça, toi tu comme ça. Le diable revient sur l'apparition, il répond sur faiblesse de vini, il revient comme à la porte là ouverte. Qui est arrivé? C'est qui te confessé et que te l'a là, ça même finale. Il dit frère, ou libre la frère, ou libre, vini frère, vini qu'est-ce qu'il veut faire. Il est bel là, fait tout bel là, fait ça béni. Mais Dieu tu bénis et tu délivres, ça bel là. Mais toi qui te coûte un rewind, toi qui te coûte un vin là, toi qui te coûte un médite ça, toi qui te coûte un cause ça. Donc, quand les types peuvent couler, quand il y a de faiblesse, quand il y a de la peine, personne ne peut s'intéresser en lui, intéresser en lui, c'est l'ami du pécheur, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est intéressé. Jésus-Christ ce matin il intéresse à tout un chacun de nous qu'il a ce matin. Dis-moi, comptons-nous, pas comptons-nous, détestez-nous, pas détestez-nous, pas gagne-nous bonne, gagne-nous mauvaise, tout faire ce qui t'a envie, mais qui chose pour une chose pour connaître. Moi, non, un ami. Meilleur, son nom est Jésus. Amen. Et sa meilleure amie qui moi, non, là, les paroles d'un ami qui est parfait. Les paroles d'un ami qui paye un problème. Les paroles d'un ami qui paye un erreur. Les paroles d'un ami qui paye un défaut. Mais il retourne d'un ami qui tombe dans faiblesse, qui dans péché. Les filles viennent étendre sur la mer pour dire toi. Amen. Jésus vient pour tirer ce matin. Jésus vient pour tirer tout dix monde qui dans les faiblesses, dans l'erreur, dans vraiment dans la désolation, peut-être dans quelque chose qui est personnel, on va pouvoir citer. Jésus vient pour tirer toi ce matin. Quand il vient pour tirer toi, quand il tient toi, il pardonne toi, il lave toi, il purifie toi, il fait ta vie propre. Et vous faire comme ça ou pas. Pas de condamnation au Seigneur Jésus. Si lui-même Dieu, qui prend ton péché, prend ton erreur, il prend ton défaut, il prend ton faiblesse, si lui-même Dieu te dit hein, pas de condamnation au Seigneur Jésus-Christ, mais toi, qui tu étais pour réamener condamnation dans mon âme? Qui tu étais, viens qui tourne. Tout qui vient pour errer dans le passé, réamène dans mon âme. Pour qui peut me donner la gloire? Pour les diables encore? Il y a un batté, il y a un batté. Il y a un défait. Il y a un batté, il y a un défait. Un quelqu'un qui a un batté, une défait, une dépouillé, tu aurais glorifié lui. Au contraire, donne-nous la prière. Il est capable un membre de nos familles, nos enfants, etc., etc., un frère, un sœur, au contraire, tous les temps, quand nous trouvons, Dieu, bon Dieu, pour glorifier toi pour ce délivrance. Amen. Dieu, bon Dieu, pour glorifier toi pour ce changement, ce transport. Amen. Pour qui nous, bon Dieu, pour qui nous glorifier, le nom de Jésus.
glorifier le nom de Dieu. Et quand nous quittons la parole de Dieu, la Bible pour dire comme ça dans Luc chapitre 7, verset 37, nous disons l'autre personne encore, comment vraiment Dimon il a pour condamner. Dimon là pour condamner, Dimon là pour juger, Dimon là pour pointer les doigts, Dimon là pour mettre toute qualité tasse. Dis-moi là pour mettre tout ce qui chose. Vous connaissez que Dimon pointe les doigts, disait condamné. Vous connaissez qu'il fait dans la vie chrétienne ça? Vous connaissez qu'il fait dans la vie chrétienne? Lui amène le plus grand découragement qui est capable d'exister. Le reste chrétien, il faut dire, moi fais tous nos efforts. Moi lutter, moi combat, moi gêner, moi prier, moi fin mettre le maîtrise des choix au dedans de moi. Moi finis vite ça, moi finis vite ça. Tout ça là, moi faire, malgré moi faire tout ça là, jusqu'à aujourd'hui, dis-moi encore peut condamne-moi, encore peut juge-moi, encore peut cause mal en moi. Mais si Jésus dans sa valeur divine, lui dit vous devant toi, elle qui sort, lui pour dire toi, en tant que ce soit fort, lui pour dire toi, moi dis à toi, c'est-à-dire, paye la condamnation pour ceux qui ont Jésus. Lui pour finir par de toi. Lui pour dire mon libère-toi. Lui pour dire mon cache-toi la scène. Lui pour dire mon enlève de l'air. Lui pour dire mon enlève de faute. Lui pour dire mon enlève de caractère. Lui pour dire, lui pour dire, lui pour dire, lui pour dire. Et tout le temps, ami de pécheur, tout le temps, lui pour parler ce qui est bon, l'on sauve à l'enfant. Tout le temps, lui pour parler ce qui est bon, l'on est pécheur. Jamais Jésus-Christ, pas de pointe les doigts à Jésus. Jésus-Christ est venu pour pas, non pas tant de pour pas, pardonner. Et la Bible dans l'évangile de Luc, le chapitre 7, le verset 37, la Bible dit comme ça, Jésus entra dans la maison des pharisiens. Et voici une femme pêche, pêche reste. Nous venons une deuxième personne encore qui passe encore, comment du monde sait. Jésus entra dans la maison des pharisiens et voici une femme pécheresse qui s'est trouvée dans la ville. Lui rentre dans la maison des pharisiens et amène un vase d'albâtre plein de parfums. Et lui finit vraiment et met ça et déverse ça l'olivier de Jésus. Lui finit pleurer. Cette femme finit pleurer. Il déverse ses parfums et aussi lui finit essuie le pied pendant qu'il est pleuré. Il pleure l'olivier de Jésus. Et Jésus, comment nous dire, sa tête l'homme fut tombée, fut coulée. Et il fut essuyer ce l'homme avec son chevet. Donc, il fut essuyer le pied de Jésus avec son chevet. Et la Bible aussi dit, il fut embrasser l'eau sur le pied. Et il fut ouéter lui avec du parfum. Dans le verset 39, nous mettons un coup d'astère. Dans le verset 39, ben, le pharisien dit, si cet homme était un prophète, lui dit pour connaître qui qualité femme fut touchée. Une pécheresse. Si lui dit un prophète, lui dit pour connaître qui qualité femme fut touchée. Et cette femme, dès qu'il rentre dans cette maison de pharisiens, lui pas fin arrêter. Pleurer le solipier, que ce l'homme fit l'âme solipier, que ce cerveau lui suit solipier, lui fit l'embrasse solipier. Et l'autre côté, un accusateur maintenant, pharisien, Dieu, qu'est-ce que c'est ça Jésus-là? Si lui tient prophète, cet homme, si tient prophète, lui dit pour connaître qui a des femmes, puis touché. Mais qui sont dans le pharisien pour connaître? Jésus-Christ. Il venait pour battre péché. Pour qu'il venait pour battre péché. Cette femme, peut-être, combien de choses elle est capable de faire dans son vie, combien de erreurs elle est capable de faire, mais elle connaît l'état de son vie, comment elle était, elle connaît une seule place où elle est capable de refacer, c'est dans les pieds de Jésus. Et Jésus, s'il vous plaît, tout ce qui fait pour ça, écoute pour ça. Jésus-Christ, jamais pas mettre un pécheur en Dieu là. Jamais Jésus-Christ ne dire pas aller de la main vers moi. Jamais Jésus-Christ ne dire pas marcher pas vite vers moi. Jamais Jésus-Christ ne dire pas touche moi. Jamais Jésus-Christ ne dire pas me souper en moi. Non. Non. Jésus-Christ, tout le temps sur les bras, les hauts, ouvert sous les péchés. C'est l'homme. L'homme qui rend la vie de l'homme difficile.
C'est Timoun qui rend la vie Timoun difficile. C'est Timoun, bon Dieu, qui rend la vie Timoun difficile. Moi, je dis, bon Dieu, qui rend la vie Timoun difficile, jamais. Ni chaque parole n'a pas rendu la vie chrétienne difficile, jamais. Chaque parole est encouragée, est encouragée. Son parole fortifiée, bien fortifiée. Son parole édifiée, bien édifiée. Jamais la parole n'a pas découragé du monde. La parole lui attire du monde. La parole est effrayée, la parole est Dieu lui-même. Jamais mon Dieu parole la vie du monde difficile. Jamais. Qui c'est là qui rend la vie du monde difficile? Qui s'est la fait du monde découragé? Qui s'est la fait du monde vraiment, et pour nous dire, et peine au goût de vie? Vous connaissez comment du monde dire, je peine au goût de vie, peine être sans pour vie? Et là, du monde dire, mon sacré, mon prend des sens sur la terre. Mais qui s'est la rendre sur la vie difficile? Bon Dieu? Pas ta zone? Non. Et m'écouter ce matin. Bon Dieu rend la vie difficile, lui? Bon Dieu fait ou dégoûte la vie de la terre. Si les fait ou dégoûte la vie de la terre, mais tout le la terre même n'est pas tombé. Pour vivre la terre même n'est pas tombé, je suis fini, si jamais nous la vie difficile. Mais qui c'est là qui amène la vie de l'homme difficile? Qui c'est là qui fait du monde découragé? Qui c'est là qui fait du monde à suicider? Qui c'est là qui fait du monde quitte la case aller? Qui c'est là qui fait du monde prendre ensemble vivre? Qui s'en a, bon Dieu? Non, c'est Timoun. C'est Timoun Kouma Noumé, être humain. Nous ne pouvons pas dire païen, parisien, et non, c'est Timoun. Nous prenons les coups de ce matin. C'est Timoun qui amène la vie Timoun amère. C'est Timoun qui fait Timoun dito. C'est Timoun qui fait Timoun découragé. Vous connaissez aujourd'hui qui fait beaucoup de chrétiens, ils quittent l'Église de Jésus, mon papa dit quitte la mission. Vous connaissez combien de chrétiens ils quittent Jésus-Christ, ils n'allaient Dis-moi pas quitte Jésus-Christ, ils n'allaient parce que Jésus-Christ, il faisait décourager par son parole. Non! Beaucoup de gens, ils lavent l'Église de bon Dieu, ils n'allaient pas lavent la main de bon Dieu, ils n'allaient à cause de gens pareils pour moi. Jimoun, il y a Jimoun. Jimoun. Attendez, pas Jimoun là. Jimoun. Amen. Ce matin, je rends un message. Quand je prépare un message, je me dis, bon Dieu, pas Jésus, je me demande quand Dieu parle. Mon Dieu, mon père. Mon Dieu, mon père. Amen. C'est Jimoun qui rend la vie Jimoun difficile. C'est parfois quand vous trouvez même dans l'église, vous trouvez un siège ou deux sièges vides, un dimon qui a cherché jusqu'au tout, costé, chrétien qui a cherché jusqu'au tout, vous trouvez un moment après de quitter une allée. Qui peut le quitter parfois quand le fouilleur cherche, c'est une allée pour un dimon. À cause d'un dimon, il n'est pas dans la cause de Jésus. Au contraire, Jésus, il a le rôle, il tient lui dans son péché, il a mené lui dans son bâtiment. Mais qui s'en est tiré depuis le pâtirage, il résène dans le monde, c'est Jimoun. Jimoun sur mentalité, Jimoun sur façon de faire, Jimoun sur façon agir, Jimoun sur façon causer, c'est Jimoun et Jimoun et Jimoun et Jimoun. Jimoun. Cette femme, une pécheresse, il rentre dans la maison des pharisiens. Les filles là peuvent pleurer, les peuvent suivre. Et vraiment, les pieds de Jésus, ils sont sévères. Les peuvent parfumer Jésus. Les peuvent faire tout. Pourtant, ma grande pécheur supposait, ben là, ben 11, ben 16. Un peu intéressé pour la libérer de Jésus. Un peu intéressé pour être parfait. Un peu intéressé pour suivre son pied. Parce que tout va pécheur, ça. Ben sans péché, ça. Ben 7. Mais cette femme, il vit. Jésus quitte tous ses pharisiens. Jésus quitte tout ce qu'il a tout autour de lui. Jésus fit l'intérêt avec cette femme.
une intelligence. Et chacun de nous, chaque quelqu'un qui est dans une faiblesse, dans une situation difficile, chaque quelqu'un qui sont condamné par Jimoun, zisé par Jimoun, l'esprit de découragement lui rentrer, une petite chose, Dieu rachète-toi ce matin. Dieu tient-toi protéger dans la vie. Pas découragé, parce que Dieu est lui-même ton meilleur ami. Ton meilleur ami. Et la Bible vient nous terminer. La Bible dit donc, comme dans Jean, le chapitre 8, verset 10 et 11, quand vraiment cette femme pécheresse, nous voulons 3-4 versets, nous voulons. Cette femme pécheresse, va n'avoir de y aller pour la pitli. Quand la vie de dire, quand cette femme vient galoper, elle vient pour sauver son ami. Dieu pour sauver son ami. On est un démon qui est erreur. Nous humains, quand un démon fait erreur, surtout quand il est chrétien, il y a quelque chose qui appelle conscience. Dieu conscience. Vous connaissez dans nos consciences, après dans nous-mêmes et dans le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit. Dès qu'il nous fait erreur, arrivez à faire erreur. C'est qui peut faire, c'est lui qui peut faire avec les ventes des doigts, les contraintes pour la. On va dire la mer, hein? T'as enlevé là? Et non. Nul n'est pas fait. Nul n'est pas fait. Nous tous en erreur. Tu erreur, gros erreur, mini erreur, large erreur, doux erreur. C'est pas qu'on fait un mini erreur, l'on fait large erreur. Vous voyez, pizza. Ça veut dire l'autre. Alors, le gars finit condamné. Ou pas condamné. Il fait l'autre. On trouve lui. Qui fait trouver. Parce qu'il a dit qu'il est arrivé dans son erreur, son faiblesse, son erreur visible. Lui fait erreur là, lui visible. Quand ça aime, Jimoun trouvait, les gens disaient condamné. Mais il y a l'autre qui fait mini pizza. Lui fait erreur dans masqué. Vous voyez le bal masqué? L'issue erreur par le masqué. Mais jamais que vous trouvez. Et là, quand tu bouges devant toi, je suis payé. Moi, je suis monsieur X. Moi, je pêche. Moi, je ne pêche pas. Je ne pêche pas. Faut pas pêcher, quoi. Moi, le poulet, moi, je dis large. Et comment ce matin? Vous êtes la boule ou un timoun pour pointer les doigts pour s'y être condamné. Facile! Mais seulement pour tenir un timoun depuis d'un trou, beaucoup difficile. Bien beaucoup difficile. Mais seulement malgré difficile, Jésus-Christ peut lui venir, lui tient. La Bible parle de cette femme pécheresse. La Bible est comme ça, cette femme, je tout galou de aller pour la pitié. Tu veux pour la pitié? Ben là, dit à Jésus, quand il vient venir, il est au pied de Jésus-Christ, parce qu'il connaît sur ses coups, c'est la même. Amen, amen. Sur ses coups, pas avec l'homme. Amen, amen. Nous, ses coups, pas avec l'homme. Amen. L'homme, pas pour ses coups. L'homme, lui, tu fais croire, lui, fait ses coups, toi, après, lui, peut enregistrer ses films, il peut dormir. Là, il dit, il y a la même qui doit faire. Je veux dire, ça, je veux faire ça, je fais ça, fais ça. Je mets les cailles sur les pieds. T'as oublié que tu fais ça. Mais Jésus-Christ, qui dit Jésus-Christ, quand il dit, il dit, mon esprit, rappelle ton péché. Amen, 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 amen. Nous, humains, dis-moi, nous, dis-moi, nous mêmes, nous l'intelligence, nous servons plus fort qu'il vous dit. Bon Dieu par rappel, nous le sera rappel. C'est pas où doit Mahmoud par rappel. Tout rappel. Zikalatan Perodou va connaître. Va par rappel. Vous comment tu peux finir payer. Tu payes pour son doigt. Après, si je n'ai qu'à faire ça, je te condamne. Je te finis de payer. Excuse-moi quand je paye. Un petit peu, je ne sais pas si tu payes. Excuse-moi. Moi, je suis comme un finis second mois. Tu ne pas rappel. Mais seulement, rappel défaut et reste aux camarades. Ça, aux oreilles en pisse. Ça même nous fait du mal, nous pensons. Nous fait du tout, nous pensons. Nous faisons du tout aux chrétiens. Et les chrétiens devraient nous la côte. Le
Allez, à côté de Banaro. Attends, ou comment dire, sauver l'expression, vous êtes comme ça, obligé de faire un non, nous, pas de problème. Puis nous poser. C'est qu'il pique tout il a qu'il zizli, il blesse lui. Il parle à lui. Il peut dormir avec la télévision. Sinon, il est sur YouTube. Il est sur YouTube, pas le terrain. Mords-toi, fatigue-toi. Tu comprends ce matin? Amen. C'est quoi la vérité? Amen. Et puis, j'ai causé la vérité. Amen. Dis-moi, arrête de faire Dimoun Dito. Amen. Arrête de faire Dimoun Dito. Amen. Arrête de courage, Dimoun. Amen. Arrête de courage, Dimoun. Ces femmes, ils étaient au pénal. Qu'ils faire? Tout commence à causer. Maître, ami, la loi de Moïse, bah, c'est bien la loi. La loi de Moïse. La loi de Moïse, il dit qu'une femme commet tel acte, bizarre, lapide, li à mort. Jésus n'écoutait. Jésus, une seule parole, Jésus dit. Une seule. Ok, lapide. Moi aussi, moi d'accord, la loi Moïse. D'accord. Mais lance la première pierre, c'est lui qui jamais fait erreur sur la vie. Tout le monde, je serai au final. Avec qui les lois de vite pointer. Tout le monde fait rire. Dans la salle, je ne peux pas faire rire. Il y a plus bon Djibouti qui a cité dehors. Je ne peux pas faire rire. Je ne peux pas glisser, pas déraper. Bon Djibouti. Bon, je ne rien dire. Parce que la parole du prêché, je viens à la joie. Je viens à la joie. La parole du prêché est la joie. Amen. Crée la joie dans les cœurs. Donc, lance la première pierre. Mais Jésus dit à cette femme, femme, où sont tes accusateurs? Parfois, nous faisons rien. Attention, lien vers cela bien. Combien de fois nous pressons, nous lire, plus nous lire, l'esprit plus ouvert. Où sont tes accusateurs? Jésus qui dit, quand il dit, où sont tes accusateurs? Pour qui il dit, quand Satan les diables? Non. Quand même démon a été. Ça veut dire? Non. Où sont tes accusateurs? Pour qui il dit? Eh bien, plus fort. Ah, y'a quoi plus fort? Dimoun. Ban Dimoun, long la bob, long gros venant. Ban qui parfait ça. Mais pas que c'est comme moi que j'aime. Au carré, au cassé. Vous êtes causé? Oui. Faut des connaissances, mon pape? Où sont tes accusateurs? Il ne pas dire où sont Satan les diables? Où sont ces démons? Où sont ces légions? Ça ne veut pas dire. Où sont tes accusateurs? Quand ça va dire mon accusateur? Cette femme, lui connaît quand elle est débattue. Vous connaissez où sont sur la vie quand elle est galopée. Hein? Pour galoper toute sa zone-là, pour galoper y aller. Et quand on dit tout pauvre zone. Madame, là, je vous pose une question. Dans la cour, tout le monde fait. Ton frère, tu dis à qui ça là? Vous êtes monsieur? Mais monsieur est là à côté. Monsieur est là à côté. Parfait. Et tout monsieur, même les galons pour la fille. Donc, je disais, mais la gros la poussière connaître tes quoi? Ça, je ne pas prouvé. Tu comprends ce matin? N'a pas glorifié Satan. Quand Dieu fait pardonner un démon, il saute dans son faiblesse. Quel Jésus qui dit, femme, où sont tes accusateurs? Viré, guetté, naïma. Mais non. Jésus qui dit, moi non plus. Pour moi, comme on guettait, quand je suis déjà, moi, je dis que je suis qu'il n'est pas des guerres ici. Moi non plus, et qu'il a une distance avec cette femme, moi, j'ai dit, il nous a demandé, qui allez, ton livre. Ton livre, ne pas enchaîner toi. Moi non plus, ne pas enchaîner toi. Moi non plus, pas condamner toi. Moi non plus, pas assister toi. Mais allez, ton péché, fil pardonné, mais seulement, ne pêche plus. Il arrête de pêcher. Cette femme, quand nous lions, il n'est plus dans la vie. Il suit Jésus. Mais quand vous voulez dire, hé, qui sa femme là, tu te connais ça? Bah, tu gardes pas lit derrière les coups de roche, tu rappelles? Il s'attend le lit de Jésus. Dis-moi, rappelle-le. Dis-moi, rappelle-le, erreur.
Dis-moi rappel ou bêtise. Dis-moi rappel ou faute. Seulement, dis-moi assis sous vieille livre par ici, tout bêtise, et là, on fait, l'ici, on fait. Ou vieille livre, ou vieille livre, on lit. Tu vois, où lire ce tag de. Tag de, déjà son destin. Où lire son destin. L'ici, sur la messe. L'ici, sur les kiasta. L'ici, ça, l'ici, ça, ça. Seulement, vous disiez, il faut. Et c'est ça qui beaucoup, mon cabinet, beaucoup de chrétiens dans l'ignorance font errer. Quand un démon est repenti, il saute depuis dans son lacet de péchés, erreurs faibles, quand il y a des bêtises qu'il est capable de faire. Quand il saute là-dedans, il repentit, son repentance compte divin, bon Dieu. Amen. Et bon Dieu, quand il pardonne lui, va n'est péché. Amen. Quand il y a les vannes et pêche plus, Dimoun l'a libéré, l'a délivré, Satan le diable, lock-out. Défaite. Mais dans ton domaine, Dimoun l'a défait. Victoire dans les camps de Dieu. Amen. À ces chrétiens, il n'y a pas connu, pas discerné, les tout coup quand Dieu dans un diable, tout coup n'est qu'il vient, il est grand tour. Mais quand il y a grand tour, veut dire tourner. Tournez, tournez, même, virez, tournez, mêmes affaires. Pour moi, il y a un petit décodeur dans son ventre. Il tourne, revient. Comment dire, toi, t'es pas tourné automatique. Rewind forward, rewind forward. Et ne pas bouger de connaître comme content, bon Dieu, bénis-toi. Bon Dieu, sans toi, bon Dieu, drop. Aïe, on me dit, bon Dieu, merci. L'incense de la vie, nos enfants, l'incense de la vie, nos familles, X, Y, Z. En disant, en parlant ainsi, non, ton bon Dieu, dit gloire. L'être peut faire comme ça en lit, le nom de Satan peut glorifier, te peut dire, en l'autre mot, te peut dire, bon Dieu, pas une délivrer. Tu comprends ce soir, ce matin? Amen. Pas faire ça rien. Amen. Tout le monde, la terre fait rien, tout le monde, la terre fait bêtise. Tout le monde, la terre est exposée dans toutes choses. La terre est même exposée en PC. Oui. Le monde est même pourri. Vous voyez, quand un chrétien, vous avez lutté pour vivre dans la vie chrétienne. Oui. Pourquoi facile ça? Juste au camarade, c'est facile ça? Tout ça est déjà facile ça? Vous avez lutté dans les mondes là? Facile? Pas facile. Mais si ce n'est pas facile, pas décourage ton camarade facile. Amen, amen, amen. Il y a chaque fois que tu décourages ton camarade, le diable est même cool. Donc ce matin, c'est ça qui vraiment va nous dire, Jésus qui dit à ces femmes, quand toi qui t'as fait, quand tu es érodé, paye-la. Mais si paye-la, moi aussi, pas cette histoire. C'est pour cela qu'il nous dit, nous terminons la même. Beaucoup des églises dans ces derniers temps-là, ils souffrent et ils souffrent. Beaucoup de chrétiens qui quittent l'église finalement à cause de problèmes d'immun. À cause, moi je dis, à cause de problèmes d'immun. Quelque chose qu'il finit touillé, quelque chose qu'il finit coupé, quelque chose qu'il finit déraciné, il finit zété et brûlé, nous ré-ramasser. Nous remettre dans un plateau, nous réglorifier sa chose qui parle. Dieu est erré ça. Dieu est erré ça. Dieu est erré ma femme. Ce matin, nous qui sommes au Jotéquer. Est-ce que nous comprenons ce matin? Ce qui ne pas comprendre, mais déboute, nous réveillons comprendre ce matin. Parce que Jésus paye un prix. Dieu, Jésus paye un prix. Et quand il paye un prix, il va nous rappeler ces chants que tu viens nous terminer. Il y a un chant qui dit, rappelle ça tous les temps. Il est bien pour le temps. Jésus vit bien souffert pour moi, il vit beaucoup moins de la croix. Thank you.
La souffrance de Jésus-Christ sur la croix est quelque chose de difficile pour comprendre. Ce bon camarade qui trahit lui, ben a fini arrêté lui et condamné à mort alors qu'il était innocent. Ben a fini battu lui et il a un coup de fouette. Un couronne d'épines l'eau sur la tête, il sortit sur la croix avec douleur jusqu'à Golgotha. Pendant toute longue ce trajet, du monde qui peut battre lui, maltraite lui, crache l'eau lui. Mais Jésus pas de regard en arrière. Au contraire, il continue à avancer. Jésus est capable d'éviter la croix, faire du fait tomber depuis dans le ciel, ou ça ordonne ce bon ange de s'écrouler. Mais Jésus n'est pas si intéressé pour sauver lui-même. Mais il peut faire tout ça là pour sauver toi. Chaque détail de Jésus sur le sacrifice qui forme partie du plan parfait de Dieu pour rapprocher-toi de lui. Si aujourd'hui tu écoutes ce message-là, connais que Dieu compte en toi, tu n'as valeur pour lui, il a un plan merveilleux pour toi. Dis, répète ça la prière-là avec moi, fais-le de tout le cœur. Dis, Seigneur Jésus, je viens devant toi, comment je suis. Pardonne-moi mon bonne faute, pardonne-moi mon bonne erreur. À partir d'aujourd'hui, je reconnais que tu es le Fils du Dieu vivant, tu es venu sur la terre. Te donne la vie pour moi dans la croix. M'accepte-toi comme Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens habiter dans mon cœur. Me faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, chaque seconde de la vie n'appartient à toi. À partir d'aujourd'hui et pour l'éternité, me reconnaître et mon enfant bon Dieu. Me dis ta merci Jésus, te compte en moi. Merci Papa. Et merci Saint-Esprit. Alléluia, me donne-toi toute chaque partie de moi-même. Si tu me fais la prière de tout de l'équerre, nous avons envie de prier pour toi. Viens-en avec nous. L'église Seal Church, Glen Park, Vaqua. Ou sinon, trouve une église qui est plus près de chez toi, que ben est capable de prier pour toi, encadrer toi et montrer toi l'amour de Dieu. Sois béni dans le nom de Jésus. À bientôt.